déjà arrivé trop tard. Tu reviens pile au bon moment. Ça, c'est ce que j'appelle un miracle. Ouais, Raiden. Merci. Grand Maître Azashi, je demande humblement l'hospitalité des Shirai Ryu. Mon temple céleste est mis en péril. C'est l'endroit le plus sûr où nous réunir. Seigneur Raiden, bienvenue dans les Jardins de Feu. Les dieux anciens ont disparu? Shinnok est le fils de Kronika? Pas étonnant qu'elle ait envoyé le dragon noir à nos trousses. On l'a bien rétamé. Kronika n'est pas motivée par la vengeance. Elle redémarre l'histoire pour équilibrer la lumière et les ténèbres. Que faire, Seigneur Raiden? Rassembler les forces du Royaume Terre. Mais si les armées de Kotal Kahn ne se joignent pas à nous, c'est peine perdue. Cétrion m'a appris que Shao Kahn avait capturé Kotal Kahn. Nous devons le libérer à tout prix. J'irai avec Kung Lao. On va retrouver la princesse Kitana. Merci à vous deux. Que les dieux anciens veillent... Que la victoire vous accompagne. Vous êtes exaltée, princesse Kitana. Mais je ne suis pas convaincue. Reine Shiva, votre peuple ne se portait-il pas mieux avec Kotal Kahn qu'avec Shao Kahn? Dans un sens... Mais on ne peut prédire quel Kahn sortira vainqueur du combat. Il n'y a aucun intérêt à choisir un camp maintenant. Princesse! Liu Kang, que faites-vous ici? Kotal Kahn s'est fait capturer par les Tarkatan. Nous devons agir vite, avant qu'il ne l'exécute. Mon peuple ne se ralliera pas à un Kahn tenu à une chaîne. Le Royaume Terre nous appuie, Votre Altesse. Avec vous, la victoire serait assurée. Il n'y a pas de route vers la victoire sans les Tarkatan. S'ils se rallient à Kotal Kahn, nous aurions tout intérêt à la rejoindre. Je reviendrai, Reine Shiva, avec les Tarkatan à mes côtés. Ensemble, nous écraserons Shao Kahn. Fascine autant dans le sang de Jade Scarlet. Le sang édénien est savoureux, Votre Excellence. C'est également une des denrées les plus rares. Où l'emmène-t-il? Au Colisée, sans aucun doute. Alors on doit attaquer. On ne les convaincra jamais de rejoindre Kotal en frappant les premiers. Il faut d'abord raisonner Baraka, puis attaquer Shao Kahn ensemble. On n'obtiendra pas d'audience avec eux. Les Tarkatan attaquent d'instinct. Sans parler de Jade. Au moindre signe de danger, ils la tueront. J'ai peut-être une idée. Allez,
Kitana. Un cadeau pour Shao Kahn. Nous voulons l'aider à affronter Kotal. La puissante fille du Kahn, depuis tant et tant d'années, soumise par des soldats ordinaires, tu as enfin appris que tu ne valais pas mieux que le reste du monde. Elle est pour Shao Kahn. Nous exigeons de voir Baraka. Tu ne verras personne. Liu Kang. Vous avez trahi votre père, Kitana. Je ne suis la fille de Shao Kahn que par conquête. Il a volé Edenia et ma mère à leur souverain, mon véritable père. Parce que ton peuple est aligné et t'es faible. Et après 6 minutes, il parle enfin. What's up les gens, on se retrouve du coup pour la suite du let's play de Mortal Kombat. Non, c'est en train de me défendre. Donc l'épisode 7, je crois, du genre. En tout cas, on va pas se mentir, hein. Kun Lao, il a un crâne, mon pote. Il a un crâne, c'est terrible. Hein. Oh. Bon, en gros, là, on se retrouve avec Scarlett, un personnage littéralement pay to win. En fait, tu payes pour l'avoir littéralement, enfin, pour la DLC, on va pas se mentir. C'est... Je crois que c'est une Edenia, en fait. Je suis pas sûr, mais bon, là j'ai pas fait de combo, etc. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est une Edenia la meuf. Je me rappelle plus très bien. Mais en. Elle joue avec le sang. Boum! Je te cut moi, je suis un assassin moi. Bon en vrai là je débute un peu hein. Je cherche un peu les combos. Je sais pas trop ce que je fais. Du coup on disait comme quoi Liu Kang, enfin non pas Kun Lao pardon, il avait un crâne, c'était vraiment quelque chose. Il avait vraiment un crâne, c'est vraiment quelque chose. Par contre, la Kitana, là, elle est... Elle est persuasive, hein. Et je m'étais trompé par rapport à la femme aux quatre bras. J'ai vu que c'est la toute première fois qu'on la voyait. Pas du tout, en fait, elle était bien, bien avant. Dans le MK9. Et... Aucune victime, comme vous l'avez demandé. Jade, tu vas bien? On doit vite trouver Baraka pour sauver Kotal. Baraka refusera. Kotal voue une haine trop profonde au Tarkatan. Si je l'avais laissé faire, il les aurait tous mis à mort. Oui, Kotal a été clair sur ses intentions. Baraka, écoutez-moi. Les Tarkatan ont déjà assez souffert. Kotal Kahn met en danger tous les Tarkatan. Au nouvel âge, Shao Kahn s'imposera. Si vous voulez, Baraka c'est un grand maître parce que les autres savent pas trop parler quoi. C'est un peu des guignols, on va pas se mentir. Et que c'est l'un des grands guerriers, je crois. Oh. Oh. Ah oui, si vous voulez, les Tarkatan c'est une sorte de tribu à la. À la Wolverine, tu sais, avec ses... Avec ses... Comment ça s'appelle? Avec ses griffes qui sortent de l'ordinaire, quoi. Ah. Non! Non! Non!
Ah, je me suis fait punir. Je voulais trop faire le fou. Bah, du coup, je me suis fait niquer. Ouais, ouais. Toi, tu vas faire quoi? 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 Hein? Tiens. Tiens. Je te pète la gueule, moi. Ah ouais? Boum. 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 Tiens. Ah ouais? Bon, ok, d'accord. Tiens. Boum. Dans ta gueule. Non, ouais, c'est l'un des plus forts, j'irais des barakas. Enfin, des. Pas des barakas, des tarkatanes, pardon. Mais tarkatanes, c'est un peu des gens un peu cons, tu vois. Hein. Tu leur dis fais ci, ils vont le faire, tu vois. Si vous voulez, ils sont un peu fait niquer par tout le monde en vrai, tu sais. C'est la tribu aux plus de personnes, mais ils sont pas forcément tous forts, tu vois. Pas forcément tous forts. Y'a pas le combo là. Bon voilà. Bon, je termine. Je suis désolé, mais normalement j'ai la téléportation, mais je sais même pas comment on fait. Genre. Voilà ça. Je l'ai TP, mais je sais pas comment on fait. Allons, Baraka. Je cherche pas forcément à apprendre tous les combos par contre. Sinon, je passerai 1000 heures à essayer de jouer les persos pour bien les maîtriser. Pour faire un gameplay incroyable. Oh. Parlez, vous avez mon oreille. Oh. Shao Kahn monte les peuples de l'outre-monde les uns contre les autres depuis toujours. Et pourquoi? Pour qu'ils aient l'honneur de mourir à la guerre? Nous devons nous battre tous ensemble, Baraka, et arrêter ce massacre. Kotal veut notre mort. C'est ce qu'il m'a dit droit dans les yeux. Aidez-nous, et je veillerai à ce qu'il vous assoie à sa table. Oh. Elle est convaincante en vrai, non? Que préférez-vous, Baraka? Être l'esclave de Shao Kahn ou l'allié de confiance de Kotal Kahn? Personne n'a jamais fait une telle offre au Tarkatan. Mais ce sont vos paroles et non les siennes. Aidez-moi à sauver Kotal Kahn. Nous lui demanderons ensemble. S'il rechigne, je lui tranche la gorge. Si d'aventure il rechigne, Baraka. Je vous aiderai. Oh. Putain, elle est grave convaincante en vrai. Hein. Vous avez trop souffert sous le joug de cet imposteur. Mais je suis de retour pour vous libérer de ce forcené. Moi seul peux rebâtir cet empire. Tous les royaumes trembleront à mes pieds. L'outre-monde est une terre de conquérants et non d'opprimés. What? Ah, la gueule des gens, mon pote. Il y a Aaron Black. D'où te vient cette soudaine vigueur, Kitana? Si je l'avais su avant, je n'aurais pas eu besoin de Milena. Ma sœur était un monstre abominable. Exactement comme vous, père. Yeah!
craches sur les privilèges qui t'entourent. Qui es-tu pour me juger? Tu n'as jamais connu le froid, ni la faim. Autrement, tu chérirais tout ce que Shao Kahn daigne t'offrir. Ah ouais, les réunions de famille, ça doit être quelque chose. Hein. D'avoir tant bien genre pendant les réunions genre. Oh le bâtard. Ah ouais. En fou, je vais te finir avec une prise, hein, j'en ai rien à faire. Non ouais, les réunions de famille, ça doit être quelque chose, hein, entre Sindel, Shao Kahn, Kitana, Milena. Ça va être un vrai bordel. Hein. Si les quatre sont réunis genre dans la même pièce, mon pote, d'avoir cette... Comment on se téléporte? Oh, je peux faire ça, regardez. Incroyable. Oh là là. Brrr. Ah, oh, je lui donne un coup de fesse, genre. Attendez. Attends. Brrr. C'est incroyable. C'est bon, arrête. Tiens, dans ta gueule. Non, vraiment, ça va être un bordel en vrai. Genre Milena qui veut buter. Non, Milena qui veut buter Kitana, Sindel qui veut buter Shao Kahn. C'est chiant en vrai. Et ils cherchent que la bataille, genre les publics. Waouh, Kotal 4 est trop fort. Il lui balance du sable, frère. Il y a eu des morts, c'est pendant la chute. Oh. Oh le catch. Oh. 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 Des prises de catch, ma gueule. Ah, il s'est sévé de Shao Kahn, pardon. Prendre aux portes de la victoire. Tu es aussi candide que Jérôme. Le roi, Jérôme. Mon père que vous avez tué avant de m'enlever. Je voulais la femme de Jérôme, pas son héritière. Je ne t'ai gardé que pour apaiser ta mère. N'attends aucune clémence. Oh, le changement de voix. Ah bah j'allais dire un truc, mais bon, j'ai ma réponse déjà. Je voulais voir, est-ce que la blessure qu'il a eue dans la scène, est-ce qu'elle allait rester, mais en fait pas du tout. Elle est pas du tout restée. Boum. Oh ta gueule. Oh ta gueule. Bam. Bang bang. Je vais t'exécuter. Tu veux un coup de fesse? Boum. Boum. Ok, coup de fesse. Ah, ça me tue. Bah ça sert à rien, c'était plus haut que... Un peu hein. Boum. Ah ouais, chacun lance son poing. Exécution. J'aime trop cette attaque, c'est un délire par contre. Coup de fesse. Non, ultime Kitana, ultime. Aucune grâce. Aucune élégance. Je n'hériterai pas de votre cruauté.
Bang bang. Bien sûr que oui. Bon, il est pas mort. Mais c'est incroyable, par contre. Tu sens quelque chose ? Shao Kahn, maestro pied. Les sans défense. Tu ne risques rien à mes côtés. Est-ce que tu m'accepterais ? Même avec mon cœur endurci. Je connais ton cœur. Il peut changer. So sex. C'est fini, Kotal Kahn. Le trône est sauvé. Merci. Bang bang. Baraka, Shiva. Je n'ai pas été clément avec vos peuples. Pourtant, j'ai reçu votre aide. Et je jure que je m'en souviendrai. On n'a pas besoin de charité. On se partagera le règne de l'outre-monde. C'est elle qui en décidera. Quoi ? Tu es la nouvelle Khan. Le trône vous revient. Vous avez unifié l'outre-monde. Kitana Khan. Kitana Khan. Officielle, elle est trop bien pour toi. C'est un honneur, Kotal. À compter de ce jour, puissent tous nos peuples livrer bataille comme un seul. Ouais. Le retour du véritable Outre-Monde. Les nouvelles de l'Outre-Monde sont encourageantes, mais l'emplacement du fort de Kronika demeure un mystère. Il est hors des royaumes, et par conséquent échappe à ma vision. Raiden, connaissez-vous Caron ? Caron, bien sûr. Qui est Caron ? Le maître de l'ancien vaisseau des morts. Sub-Zero et moi l'avons croisé quand nous étions revenants. Il voyage dans l'espace au-delà des royaumes, et transporte les âmes damnées jusqu'au Nether. Si le fort se trouve là-bas, Caron en connaît l'emplacement. Nous aiderait-il ? Probablement. Mais je n'en suis pas sûr. Renseignez-vous de toute urgence. Nous partons immédiatement. C'est super que l'outre-monde soit des nôtres. Mais ça me rassurerait d'avoir plus d'hommes. Les Shaolin se joindront à nous. Yu Kang et Kung Lao sont en route pour aider les moines à se préparer. Bien. Alors je pars à la recherche de Johnny et Sonia. Je viens aussi. On sera trois. Non. Raiden vous envoie en repérage. Il faut qu'on récupère Sonia. Oui, c'est vrai. Mais par ses agissements, Kronika nous laisse entendre que sa puissance a des limites. Sinon, pourquoi voudrait-elle accaparer le Jinsei ? Peut-être qu'elle essaie d'approvisionner des forces ? C'est tout à fait plausible. Qu'est-ce qu'elle compte faire ? La fontaine dans la grotte du dragon étant fermée, le puits des âmes est désormais la plus grande source de Jinsei du royaume Terre, sous l'île de Shang Tsung. On ferait bien de foncer là-bas. Navré de ne pas pouvoir en être, je dois continuer à guetter les anomalies temporelles de Kronika. Chacun son boulot. On m'a dit que vous aviez vaincu Shinnok, Cassandra Cage. Vous battrez les serviteurs de Kenno. Mais faites preuve de prudence. Si Johnny ou Sonia perdent la vie, vous cesserez d'exister. Je n'aurai pas le pouvoir de vous ramener. Lourd. Bref, incroyable cet épisode, c'est fou. Par contre, Kitana, incroyable meuf. Elle a un pouvoir, c'est fou. Déjà, le perso, je l'aimais bien parce que c'est un assassin, on va pas se mentir. Ouais, vous voyez mon palmarès des assassins, je les kiffe tous, hein, c'est vraiment la classe préférée. Insane. Mais là, elle a un charisme insane, genre. Donc, Kitana Khan, donc la nouvelle reine de l'Outre-Monde. Qui du coup a réunifié l'Outre-Monde, entre autres, donc comme ça tout le monde est ensemble. Donc ça c'est bien. Shao Kahn, je pense pas qu'il soit mort techniquement. Bon, de ce qu'on a vu, techniquement, de base, je pense qu'elle lui a tranché la gorge. Donc de base, il doit être mort. Mais
je crois qu'elle lui a tranché au niveau du visage, enfin au niveau de la bouche, etc. Donc je pense pas qu'il soit mort. Bon, je sais pas, franchement, honnêtement, on verra par la suite s'il est mort ou pas. Donc on a eu une révélation sur un mec. Je viens tout juste d'oublier son prénom. Putain, je l'avais. Karok, voilà. Je ne sais pas du tout c'est qui. Je vais pas vous mentir. Je peux faire le scientifique en mode haha, je connais tous les mortels. Je les connais, mais je ne vois pas du tout c'est qui Karog. Il avale les âmes, etc. Et il les amène dans le Nether. Donc, Aka Quenchi, hein, il prend les âmes, il les met dans le Nether pour les ressusciter et tout. Donc, on verra c'est qui Karog. Là, on est au club de combat pour l'épisode 8. Et on a un mec. Je sais plus c'est qui, mais il y a un mec là qui vient de dire. Du coup, je sais pas, ça doit pas être le maître du vent, mais le maître tout ce qui est les âmes et tout. Genre, en mode, dès qu'il te tue, par exemple, imaginons qu'il tue Scorpion, il peut prendre son âme, et ce qui fait qu'il a les compétences de Scorpion. Et je crois que c'est lui qui vont voir Jackie Briggs et Jax Briggs. Voilà, c'est tout. Après, est-ce qu'on va jouer les deux? Je ne sais pas pour le prochain. I don't know. Je ne sais pas où on se situe. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse vous abonner, lâcher un big like et merci de continuer à suivre du coup ce let's play avec moi, cette série avec moi, cet épisode, cette histoire incroyable qu'est le Mortal Kombat. Et voilà. Espérons que le film soit aussi excellent que le jeu. Et puis on verra. Le film 2021, bien évidemment, parce que les premiers, ils sont quand même très très bien.